gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evan et bienvenue pour une présentation de nos modes. Ça faisait longtemps, un data pack cette fois-ci. Et donc, c'est Monsieur Birdie qui est en ma compagnie. Du coup, salut à toi. Salut tout le monde. Donc, qui m'a proposé, alors en ce moment, c'est cool parce que j'ai pas mal de gens de la communauté française qui me proposent un petit peu leur création. Je suis très content de pouvoir les mettre en avant et les présenter. Et donc, ça s'appelle More Machinery and Features. Donc, le principe, ça va être tout simplement améliorer un petit peu l'expérience Vanilla avec plein de machines, plein de choses un petit peu diverses et variées. Donc, pour de l'automatisation, pour du farm et pour bien plein de petits trucs style quality of life. Donc, on va le découvrir. On est en 1.17.1. Il y a pas mal de choses de disponibles. Il y a un ressource pack qui va avec, hein. N'oubliez pas, si vous téléchargez le data pack, il y a un petit ressource pack qui va avec, hein. Et donc, alors là, je suis en total inconnu. C'est toi, hein, Monsieur Birdie, qui va me guider, parce qu'il nous a préparé un petit chemin, donc complet, avec tout ce qu'il y a, hein, à savoir un petit peu sur le mode. Et en plus, trop cool, on a un petit manuel qui va nous emmener un petit peu partout, avec les crafts, les trucs, les machines, etc. Donc on va voir ça au fur et à mesure, tu vas nous guider, et du coup, je te laisse la main. On va commencer du coup par le commencement, justement, Le livre. Ah oui, là, j'avais pas vu. Ah oui. Petit livre au début qui montrait justement ce que t'avais tous les crafts. Comment on l'obtient d'ailleurs? Quand tu te connectes avec le truc, alors, ça t'apparaît directement? Quand tu connectes, tu l'as. Et justement, si tu l'oublies, ouais. Y a une nouvelle machine, une nouvelle table de craft. Alors je prends le dropper, c'est ça? Oui, et au milieu. Et je le mets au milieu? Ah, d'accord, il faut les papiers et le dropper et. Alright, ok. Et alors comment on fait cette table de craft du coup? Une table de craft et hop. Et tu jettes en fait un bloc de fer dessus et bam, ça fait une table de craft spéciale. Quand tu glaces, tu récupères tout du coup. Et donc ça c'est le guide un petit peu, c'est celle qui va nous servir pendant toute l'aventure, c'est ça? On craft tous les objets modés, tous les objets non vanilla vont être craftés là-dedans. Ah, hyper simple, très cool, ok. Bon du coup je t'invite à prendre le contenu du coffre, c'est la Automatic Factory Farm, c'est une machine qui permet de farmer. Ok. Je t'invite à me suivre sur le petit chemin là et la poser sur le petit bloc là. Ok, ok. Alors du coup, on pose la Automatic Farming Farm, c'est ça là? Ouais, au milieu, vas-y. C'est bon? Oh. Voilà, donc là il y a la machine qui est apparue. Oh. Comme tu peux voir, elle apparaît sans clôture, mais on peut mettre un craft qui permet d'avoir des clôtures comme là-haut. Là-haut il y a déjà les clôtures, il y a déjà les torches. On peut faire un craft pour qu'elle apparaisse directement avec les clôtures et les... Ah oui, alors parce que moi j'ai de la bonne mille, j'ai des pommes de terre, mais je l'ai pas mis dedans, elle est partie direct en roue libre. Prends la houe dans ta main, si t'as, ouais. Main, t'as une houe. Et regarde, quand tu la lances, normalement ça change de culture. Alors attends. Carotte, bah, zéro. Vas-y, encore. Ah oui, il faut que je la jette jusqu'à obtenir les pommes. Ah, pommes de oui, terre, voilà. Ah, c'est switch. Voilà, là tu lances. Ah, là, oh. C'est un peu monter les pommes de terre. Et, ah, et ça marque en fait quand il y a des pommes de terre et il commence à les mettre. Alors, je peux peut-être mettre de l'eau aussi. L'eau, il faut qu'elle mette au milieu, juste ici, j'ai prévu le truc pour. Il faut juste creuser, c'est tout comme. Ah, faut le creuser, oui, ah, d'accord. En fait, il l'a juste placé. Toi, en fait, toi, tu dois quand même le miner. Bon, comme j'ai pas de pioche, hop. Et la poudre d'os, je fais quoi? Je la jette aussi? Alors, la poudre d'os, ça c'est une petite option pratique. C'est que, hop. Attends, j'ai pas réussi à le prendre. Ah voilà. Au milieu, on met un petit barrel. Moi, je te remets ton petit eau. Et je t'invite à mettre ta poudre d'os dans le petit tonneau. Ah, il faut mettre en fait un barrel et ensuite tu mets la poudre d'os dedans. La poudre d'os. On met tout dedans. Yes. Ce problème, du coup, c'est que pour qu'elle se recharge en pot de mille, faut qu'elle passe un tour complet parce que en fait, je check pas tout le temps le barrel pour l'optimisation. Donc, il faut qu'attendre qu'elle soit arrivée à là pour qu'elle prenne la bonne mille, c'est tout. Ouais, oui, de base, en fait, faut le mettre là où tu as posé. Et en fait. On voit où la poser grâce à la petite houe, tu vois, ta petite houe, t'as été fait de particules. Ça te montre le droit, t'as vu? Ah oui, on voit la particule, d'accord, la houe en fait te permet. D'accord, alors je redis. Ah oui, elle a pris la bonne mille, on voit là, elle est en train de poser la bonne mille à chaque fois. Et d'ailleurs, elle le pose uniquement quand il y a les pommes de terre. Comme tu vois avec ta houe, normalement, elle a une autre particule. Elle te montre ses particules ici, là, tu vois? Ici. Oui. Ça veut dire que les cultures vont être téléportées ici. Donc c'est ici, tu mets ton, par exemple... Tu peux mettre un coffre? Tu peux passer un hopper d'abord et un coffre par-dessus. Après, c'est bon, tu mets ce que tu veux, tu mets... Ah oui, donc là si je pète ça là, hop, comme ça, et que je mets le coffre... Ah ouais, et les pommes de terre sont directement cultivées. Alors elles sont cultivées. Ah oui, c'est parce qu'elles les récupèrent déjà. Ah oui, j'avais pas vu, oui. Oui, ça. Elles sont matures, elles les récupèrent. Par contre, il y a aussi un truc qui est pratique, c'est par contre si elle a des melons et des citrouilles dans sa trajectoire, elle récupérera sans rien toucher. Regarde, tu touches à rien, hop, elle récupère les melons. D'accord. Ah, c'est automatique ça du coup, c'est une option. Ah, c'est top. D'accord, donc en plus, de montrer là où on a la source d'eau, là où on a posé la chose, elle va montrer un endroit où on peut insérer la chose. Donc la plupart du temps, ce sera plutôt un hopper pour pouvoir le récupérer. On peut pas mettre un coffre dessus directement, il faudra que ce soit via un hopper. Petite surprise. Et du coup, si t'es pas content que le coffre soit là, tu peux prendre un coffre et ça changera parmi les quatre coins de la farm. Alors tu vois, là, elle est ici, tu vois. Ah, attends, je prends un coffre, ouais, ok. Et tu le lances.
Par contre, c'est bien d'avoir la houe en main si tu vois dans les particules, parce que tu vois pas ce que tu fais. Alors, tu peux la mettre en deuxième main peut-être pour voir la chose. Deuxième main, oui. Ah, ok. Et donc là, si je. Du coup, là, et c'était les portes là, du coup, le truc. T'as ah, oui. Côté, et si je jette le coffre, hop, ça change. C'est côté, là. Ah, et ça vient en fait. Allez. Oh, ouais. Et tu peux choisir de quel côté tu mets ton coffre. Oh, c'est très, très, très bien. Donc, si tu enlèves l'eau, là, si je prends mon seau et que je fais hop, comme ça. À la attends que tu le reset, fasse un cours complet. Et oh! Ah, il y a une petite particule de barrière en plus qui s'installe. Et oh, ok, nice. Et donc, dans le manuel, par exemple, si on veut chercher et qu'on a un doute, là, par exemple, Automatic Factory Farm, voilà, on a celle-ci, donc qui se craft dans la spéciale, et on a même le craft qui va avec. Bon, par contre, pour la mise en place, donc toi, tu as un wiki que je mettrai aussi, quand même, pour les gens qui veulent voir un petit peu en détail, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un wiki à télécharger aussi, si besoin. Ah, c'est que tu mets des barrières et des torches, d'accord. Ah! N'importe quelle barrière, n'importe quelle machine, ça fonctionnera. Et là, du coup, en fait, si je fais ça. Et Ah bah non, c'est pas... pardon. Pour le vélo, du coup, oui, pour le vélo d'abord. Je la mets dedans, là, dans ce trou, ou si... non, c'est par-dessus, ça... ouais, par-dessus d'abord. Oh, et ça pose les barrières et les torches. Waouh, c'est insane. Ça, c'est insane. Ah, la quarry, ah oui. On va prendre la première. Ça change juste. Ouais. La Seal Touch fonctionne comme une Seal Touch. Et la Fortune 3 qui permet de récupérer plus. Ok, même dans l'eau, ça fonctionne? Ah, tu peux tester dans l'eau, oui. Vas-y, on va tester dans l'eau. Oh! Donc ça a été prévu pour même... d'accord. Avec la petite animation de la pioche et tout. Ah, c'est un violent en plus, hein. Les doubles pioches, là, en mode let's go. Let's go, on est parti, là. Donc, c'est double pioche avec deux entonnoirs, deux blocs de fer, les coffres, quatre coffres, etc. D'accord. Il y a deux crafts. Ah oui, et je vois... Alors, par contre, il y a une sorte de petite reload query. D'accord, tu peux la recharger. Et alors, la petite foreuse, comment elle se craft? Le component, en fait, ça se fait en deux fois en component, et après, tu fais la... Component, d'accord. Donc, lui, en fait, c'est le petit cylindre. Ensuite, tu mets le cylindre avec des diamants et des trucs. Ok. Oui. Et ensuite, mais du coup, il y a assez de coffres pour que ça récupère tous oui, les. J'ai testé plein de fois, ça fonctionne très bien. Même avec des. Ouais, du coup, t'as. Avec des chests, ça fonctionne très bien. T'avais tout anticipé de manière à ce que ce soit jamais plein au moment où ça arrive tout en bas? Non, c'est les nombres idéaux, là, ça fonctionne vraiment bien. D'accord, en double coffre, quoi. Et... ensuite, la version Query Silk Touch, donc qui va se faire un peu différemment. Là, on voit, il y a un livre d'enchant. Peu importe le livre d'enchant, d'ailleurs, c'est juste un livre d'enchant. C'est le même. D'accord. C'est le Silk Touch qu'il faut. C'est le livre Silk Touch, d'accord, oui. Avec deux potions d'expérience. Et sinon, pour le Fortune, donc là, c'est le livre Fortune 3, deux potions oui. d'expérience et des émeraudes. Et après, voilà. Et donc, du coup, tu as une query. Ok. Et du coup, en fait, tu vas mettre dans le coffre une query non rechargée. Et pour la recharger, il faut remettre les coffres et remettre l'hopper. Parce que sinon, si t'en poses rien à l'infini, tu auras des coffres et des hoppers à l'infini. Ah, donc tu recharges et tu remets, oui, tu remets en fait quatre coffres et deux entonnoirs. Et ensuite, elle oui, peut repartir, quoi. D'accord. Partir, oui. Oui, parce que sinon c'est du cheat, oui. À chaque fois que tu poses la truc, elle t'en met, donc forcément il faut lui remettre quand même la chose pour qu'elle reparte ou en crafter une nouvelle. Ok, c'est trop cool. D'accord. Et si je pète un truc comme ça, là je frappe un coffre. Ça sera pareil, ça sera quand on aura fini son machin. Ok. Ah, et elle s'auto-drop direct dedans et bam, voilà. Et voilà. Alors, et du coup, dès qu'elle s'arrête, alors par contre, c'est bien à noter, c'est que dès qu'elle s'arrête, il faut la recharger. Donc si vous l'arrêtez, vous vous préparez au moins à avoir deux hoppers et quatre chests, sinon c'est fini. C'est super cool comme idée, j'adore ces petites machines Vania, c'est très très bien. Plus simple, c'est la Digital Quarry. Alors là, c'est un peu compliqué à expliquer, faites vite à l'apprendre. Attends, je sais pas si tu peux l'apprendre. Je l'ai, j'ai clic molette. Ah, celui-là du coup, je t'invite à la poser ici, pourquoi pas. Ici là? Oui, pourquoi pas. Ah, elle mine un peu comme le Digital Miner, c'est ça? C'est-à-dire dans une dimension hypothétique? Ouais, c'est ça en fait. Ouais, voilà. En fait, on est dans le biome, par exemple, dans le biome plaine. Sunflower plaine. Et du coup, ici, elle va miner en fonction du biome. Par exemple, si on met dans l'océan, il y aura plus, je sais pas, d'argile. Mais vraiment, c'est vraiment prévu pour chaque biome. Donc, c'est vraiment au bloc près. Genre, ici, elle va générer des sunflower. Alors, c'est elle faut. Chaque... Ah, oui, il lui faut de la netherite. Parce que tu sais, j'allais dire, ouais, c'est cheat quand même. C'est cheat, mais effectivement, il faut quand même de la netherite pour pouvoir la faire fonctionner. Et du coup, tu peux y mettre un hopper, c'est ça, en dessous ou pas? Oui, peut-être un hopper, oui. On peut mettre un hopper, etc. Et même du grass block, etc. Donc, t'as les minerais, du biome, etc. avec une statistique. Oui. Putain, c'est cool. Oh là là. Ouais. Elle est infinie. Et si je la mine et que je la replace ailleurs, pas de problème, ça fonctionne. Pas de problème. Ça marche dans tous les biomes où il y a des minerais, où ça fonctionne. Bah, putain, c'est stylé. Pas. C'est une machine pour automatiser la pêche. Alors, pareil, on la pose sur l'eau, c'est ça? Ah, bah, tu l'as déjà posée. J'ai déjà mis des coffres et tout pour que c'est prêt. Maintenant, faut juste mettre entonnoir. 3 ficelles et une graine. 3 ficelles et une graine dedans, c'est ça? Oui. Oui. 3 ficelles, une graine. Alors, qu'est-ce que ça fait ça, 3 ficelles et une graine? Mince, attends. J'ai oublié, c'est vrai qu'il faut pas mettre un hopper, faut mettre un coffre en dessous, sinon le hopper il absorbe les graines. Ah oui, donc du coup, tu mets juste le coffre.
en dessous. Le coffret, ça fonctionne, hop. D'accord. Et j'ai dit 3 ficelles et une graine. N'attendez pas cette ficelle, faut en mettre encore 2. String, j'en mets encore 2. Normalement, là, il va commencer à pêcher. Après, on peut mettre plus, ça, hein, c'est fait pour. Donc, c'est juste le minimum. Il faut à chaque fois, pour une prise, il faut à chaque fois une graine et 3 ficelles. C'est une prise, d'accord. Donc, en fait, après, l'idée, c'est plutôt de prendre un coffre avec un entonnoir et tu mets masse ficelle, masse graine et pour qu'il absorbe ou pas. Ah non, tu peux les mettre dedans comme ça. On voit là, par exemple là les particules d'eau, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent quand on a un petit particule. Où est-ce qu'on voit les particules d'eau? Attends. On est sous l'eau, faut être sous l'eau. Ah, faut être sous l'eau? Alors attends, voyons voir. Ah, c'est les petites bulles là qu'on voit? Oui, les petites bulles, oui. Oui, d'accord, donc ça veut dire qu'elles fonctionnent. En dessous, juste en dessous. Ah, c'est bon, à la fois. J'ai entendu le bruit, on a entendu le bruit. Elle a chopé un lily pad, d'accord. Alors dans le hopper, ah oui, parce que le coffre on peut pas l'ouvrir du coup. Oui, ce coup il est bloqué, du coup, c'est ça qui est. Toutes les machines, sauf la quarry et sauf la machine aussi là-haut, fonctionnent si on est prêt. D'accord. La quarry elle charge le chunk et aussi, comment ça s'appelle, la farm. L'automatic factory farm charge aussi ses chunks. Ah, d'accord, donc ta farm et ta quarry peuvent tourner alors que tu es très loin, t'as pas besoin de mettre un chunk loader. Ok. Vu que c'est des grosses machines, entre guillemets, j'ai fait ça. Ok, donc, le killer. C'est le killer. Il a 4 options. Soit player, bah, il tue les joueurs, soit les monstres, il tue les monstres, soit les animaux, il tue les animaux, et soit les items, bah, d'accord. Les items. Il peut y avoir des petits soucis, lorsque j'étais sur Forge, là je suis passé en Vanilla, il peut y avoir des petits soucis de chargement de texture, donc attention, mais bon, après c'est rien de grave, hein, ça va. Donc, on recommence. Donc, bon, après, j'ai la petite clé à molette, donc qui était fournie, qui était là en fait, hein, le killer tool. Elle se craft comment d'ailleurs? Est fourni lors du craft du killer. Dès que tu craftes le killer, tu obtiens la clé qui va avec. Ok, et donc là, je peux cliquer... Clique droit, shift aussi, il faut shifter. Shift, clic droit. C'est au-dessus du killer. Ah, au-dessus. Ah oui, c'est au-dessus. Voilà, tu as bougé, c'est le mouton qui meurt du coup, il est pointé vers le mouton. C'est pointé vers le mouton. Ah, par contre, alors à chaque fois, je drop une clé, je sais pas si t'as vu. Ah, parce que tu la récupères, mais tu es créatif. Est-ce que je suis en créatif, c'est pour ça, ok. Oui. Donc, ok, c'est cool. Ah oui, c'est bien fait. Et du coup, tu peux choisir là où elle se dirige et là où elle tue. Oh, trop cool. Ok, donc là c'est le killer mob, c'est ça? Oui, c'est ça. Killer ouais, animal. Pour changer d'option, il faut mettre ça dans la fancy crafting table, tu la mets et ça change automatiquement d'option. Dans la fancy crafting table, en fait tu prends le killer et tu le mets dans la table de craft spéciale? L'auto-feeder du coup. Ok. Tu as vite à prendre l'écran droit et à balancer, il est là l'auto-feeder, j'ai déjà passé. Oh, il est déjà placé, ok. Ah, attention au cochon, ouais, ouais, j'ai vu le truc, j'ai fait ouais. Ah, faut le mettre dedans, ok. Paf, ok. Tu verras, les cochons vont commencer à s'accoupler. J'ai mis un petit cooldown pour pas que ça soit trop laggy, du coup ça prend quelques secondes. Ok. Nous sommes en... Oh, et bam, voilà. Ok, et là, il... Ok, super. Donc et là, l'automatique Hawk Fram, alors du coup, celle-là se craft, mais quand la craft, elle reste en mode... comment dire... On choisit le mode dès le craft, si tu peux regarder le petit livre. Alors... Tac, donc il faut 9 droppers, truc, machin, automatique, tree farm, d'accord, avec les blocs de redstone. D'accord, la nature de la farm sera en fonction de la sapling que tu lui mets. Donc là, dans cet exemple, on a la hawk farm, mais si jamais vous voulez du birch, bah, il faudra mettre des saplings de birch, de jungle, etc. Et donc, en fonction d'eux, il te fait tous les arbres, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ah, il faut la où? Oui, pour voir, c'est juste pour voir, c'est pas vraiment essentiel, c'est juste pour toi. Ah, Hawk Sapling 16. Ah, 16 en stock. Parce que alors, on est d'accord que là, attends, parce que là, tout est apparu comme ça, mais en vrai, normalement, tu dois la poser et boum, ça fait apparaître toute la structure là, c'est ça? On la pose et oui, ça fait apparaître les. Les 9 trucs. Ouais, ouais. Si on casse un des droppers, ça casse toute la machine. Elle est déjà pleine, donc on pourra pas prendre plus. Ah oui, c'est marqué 16, elle peut pas faire plus que 16. Ah oui, il y a le coffre. Ah oui, mais j'avais pas vu, ça commence déjà à drop là en fait. Oui. Oh, il y a même des abeilles. What? Non, parce que des fois il y a des abeilles qui spawnent dans les comment s'appelle dans les arbres. J'ai pas pensé. Ouais. Trop bien. Ok. Du coup là je te fais une simulation, je casse l'arbre et hop, elle mine automatiquement entre l'arbre. Et alors attends, parce que la poudre d'os, elle le fait tout seul Ah, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait. Ah oui d'accord, donc en fait. Ah oui, et ah d'accord, elle pète l'arbre, elle remet une pousse, point. Elle replante. D'accord. Donc nous en fait. Elle récupère les sapling qui tombent aussi. Donc on a rien à faire en fait, ouais, ça fait tout seul. Et donc là il faut comme d'habitude mettre un hopper. Hopper, oui. Hopper ici, hein, comme avec ce qu'on a vu la farm précédente, et un coffre. Ok, bah vas-y. Oh. Alors, le téléporteur. Alors, attends, je clique un petit peu. Téléporteur, voilà, on a le craft, d'accord, ok. Faut d'abord poser à l'endroit où tu souhaites qu'il te téléporte. D'accord, bon, imaginons, moi, je vais être téléporté ici. Voilà. Vas-y, pose-le. Ah, ok. Prends le nouveau. Et ça, c'est l'endroit où il sera téléporteur. Donc d'accord, donc là il a enregistré les coordonnées, donc je repose, donc
Le téléporteur là, oui. Overworld, voilà, on a les coordonnées. Et là, alors, du coup, là, je vais le poser sur le truc de Cobble. Donc là, je prends celui qui a les coordonnées ou l'autre? Ah non, l'autre, c'est celui que t'as de base. C'est celui-là que... Ouais. Parce que t'es en créatif, c'est tout. Ah, c'est que je suis en créatif, donc oui, je suis censé avoir celui-là, c'est tout. Et boum. Oh, bah c'est très bien fait. Ouais, tu peux pas faire ça au travers du Nether pour aller dans le... C'est uniquement de dimension à dimension. Oui, ça fonctionne dans le Nether, mais pas ouais, voilà. À travers Nether et Overworld. D'accord, oui, il faut toujours rester dans la même dimension pour le téléporteur. Super bien, super pratique. Alors, du coup, le Mob Catcher. Mob Catcher, yes. Il faut que tu poses à côté ses pieds. Faut que tu vises ses pieds. Faut viser ses pieds ? Oui, prends ah. Voilà, la capturer. Ah ok, j'ai ma Pokéball. Incroyable, ah, c'est vraiment des Pokéballs. Attrapez-les tous. Et ensuite, je reclique pour le faire popper. Et en plus, il me redonne la Pokéball. Donc en fait, le truc en plus est utilisable plusieurs fois. Donc là, je suis en créate, donc forcément, voilà. Mais sinon... Tu récupères tout 1000 fois vu que t'es en créate, mais sinon c'est... Et c'est alors, marche. Ça marche pour un mob aussi, le Husk. Alors, faut... Oui. Putain, alors, par contre, je sais pas quoi viser exactement. Il faut viser le bloc qui est en dessous de lui, pas lui. Le bloc qui est en dessous de lui. Ah, c'est le... Et en fait, il faut viser le bloc, d'accord. Allez, donc quand il est en mouvement, faire gaffe, attends. C'est plus compliqué. Ah ah ! C'est bon, je l'ai eu. Voilà, et donc là, je peux relâcher le zombie, le recapturer si besoin, hop, en visant le bloc. D'accord ! Donc le storage de drawer, ça je pense que tu connais. Ah ah, d'accord. Là, comme l'instant, alors je vois qu'il y a une hache. C'est juste pour le casser. C'est juste pour le péter, d'accord. N'importe où, vas-y. Et là, pose la Google qui est dedans. Pose dedans. Ah! Ah, attends. Attention, créatif, faut pas toucher au item press, ça casse. Et comme tu peux voir, dans le storage drawer, t'as les chiffres qui apparaissent, le nombre de. Où ça? Quand tu ouvres le storage drawer. Ah oui, 256. Mais alors, quand je les mets, le chiffre augmente pas. Ah oui, il se met à jour. Est-ce à chaque fois, il faut. C'est Minecraft, ça n'est pas jour en direct, donc faut rouvrir. Oui, il faut rouvrir. Donc là, j'ai tout mis dedans. Ok, il y a aucune limite, c'est ça? C'est que tu peux les. Limite, enfin le limite c'est 2 milliards, je ne sais pas combien, donc ça. Ouais, ouais, donc t'as le temps. Garde l'item que ça dedans et la quantité aussi. Ça, je vais te montrer. Ah, ok, je le pète, et là, si je le remets, bam. Ah, ouais, et je peux transporter du coup des infinités d'objets avec moi. Oh, c'est cool. Ok, pas très cher avec une Ender Pearl. Ok, donc là, avec le Shift, oh. Et alors, pareil, il faut qu'il y ait un espace ou un truc entre les deux, ou faut juste qu'il y ait deux trucs entre les deux. Et alors, comment on remonte? Ah, juste Shift, Shift pour remonter. Oui, il faut regarder en haut ou en bas pour descendre. C'est pas espace, c'est que shift cette fois, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude. Oui. Ah, il est bien fait. Alors du coup, il y a des nouvelles créatures qui spawnent, je t'invite à prendre un œuf au hasard et regarder ce qu'il fait. Ah mince, attends, j'ai appuyé clear, ça va pas le faire, clear. Oula, oula. Et ah, il y a un joueur qui spawn. Il y a un wandering marchand qui vient de popper. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il fait apparaître des petits. Oh la vache. Oui, voilà, il fait apparaître des petits. Oh, il me faut une épée. Donnez-moi une épée. Au secours. Vite, l'épée. Elle est où? Là. Bon, de toute façon, je suis résistant, mais. D'accord, donc lui il fait apparaître plein de petits mignons. Moi ouais, je l'ai tué. Hein. Oh, il y a même un achievement qui va avec. Oui. Oh, les squelettes sont en béton, ils viennent d'où les squelettes? Oui, bah forcément, on est dans une grotte donc je. Oui, il y a tout qui rejoint la partie. J'avoue qu'il y a eu le marchand, le truc, j'étais en mode. Waouh, c'est bien fait quand même. Fait non, mais là ça fait pas partie du truc. Ok, putain, top. Ah oui, t'as même mis des nouveaux mobs. Alors, c'est quoi les conditions de spawn pour le recruteur? Il spawn comme ça? Alors, lui, du coup, il a 5% de chance de remplacer un zombie. C'est-à-dire qu'un zombie spawn, bah, il a 5% de chance d'être un recruteur. Ah bah, le Wandering Miner, ok, mais en fait, tu sais, il a popé, en fait, c'est ton mob qui a popé. Et lui, en fait, il te vend des trucs de minage. Oh! Il spawn dans les grottes, du coup. Ah ouais, bah du coup, en fait, celui qui est apparu, c'était ton mob, en fait. Et je croyais que c'était un Wandering Trader classique. Bah d'accord, bah du coup, on... Trop cool. Ensuite, Malignant. Et du coup, attends, j'ai pas dit, parce qu'il a 5% de chance de réapparaître, il a 18 points de vie, et il drop pareil que le zombie Rotten Flesh. Ah, il drop aussi de la clé par contre, c'est un moyen de farm de la clé. Ah, ce mob là, il me rappelle Primitive Mob. Oh putain, Je me suis inspiré de lui. C'est complètement Primitive Mob, mais du coup, ouais, un mob qui peut alterner le corps à corps et les flèches. Ok, super. Et ensuite, on a le Aid. Ah mais qui est sûrement dans le Nether. What? Je vole. What? Non, lui, il est dans le Vanilla, lui. Attends. Alors lui, par contre, lui, il a une chance sur 5% de chance de remplacer une Witch et il a 120 points de vie. Et je peux pas le frapper? Tu peux le frapper, mais c'est compliqué. Il faut plus y aller à l'arc. Ah oui, mais j'ai pas d'arc. Lui, il attaque pas directement, mais en fait, il fait des effets aux créatures. Oui, et à moi aussi, en fait. Mais je vois même pas sa vie descendre.
Ouais, faut vraiment viser au milieu, tu frappes. Oui, ça, il n'y a pas d'apparence physique en fait. Ouais, bah, je tire au milieu là, mais je t'avoue que. Ah, 8 down, ok. Ah oui, il donne Knockback 2. C'est un livre d'enchant au hasard qu'il donne ? Un livre d'enchant au hasard. Il brûle les golems, il donne l'évitation aux joueurs, il donne slowness aux chiens, je booste au slime. Putain, t'as même mis des mobs dans le database, c'est bien fait, hein ? Ok. Et les objets qui sont drop par un petit coffre ici, on verra après. Vas-y, du coup, tu peux utiliser. Prendre ces coffres-là et les poser. Trapé de barrel. 4 lingots d'or, un dropper et. D'accord. L'autre. Du... Oh, c'est un lucky block. First opening. Avait... Ah non, t'as eu une pub. Subscribe the birdie. Et j'ai eu résistance. Ah non, ça c'est toi qui me l'as donné. D'accord. Ah oui, c'est un lucky block en fait, le truc. J'ai enlevé les effets pour que tu puisses voir les effets que ça donne, sinon tu pourras pas voir. Vas-y, mais du coup tu peux essayer, il y a plein d'effets, il y a 150 effets différents. 150 oui. Ouah. Ah oui, mais t'as mis des lucky blocks en fait, quoi. Oui. Oh la vache, 150 effets. Pour un nouveau objet, oui. Mais c'est insane. Mais ça, les effets sont faits vanilla, donc c'est pas fait pour tout détruire, en tout cas c'est non plus. Alors, des petites explosions de creeper, mais pas d'explosions immenses, géantes. Oh. Je te vois plus. Oh la vache. Ah oui, mais d'accord, mais... Oh, t'as 50% de malus et 50% de... Oh, je meurs. Pourquoi je prends des dégâts? J'ai plus résistance. À cause des araignées, mince, je t'ai enlevé résistance pour que tu vois les effets, le problème c'est que tu vas mourir du coup. Hop. Non, je suis vivant, j'ai survécu. Ouais, t'as du 50-50, 150 effets du coup sur ton truc. Mais mec, c'est insane ce que t'as fait. Ah, ok. Ah, je me suis pris du temps pour trouver des effets un peu... Ah ouais, mais je vois, t'as mis des trucs, c'est limite, on pourrait faire une présentation entière juste avec ça, quoi. Et du coup, dans ces effets-là, tu peux drop, t'as une chance de dropper donc des feuilles, des trucs à 4 feuilles. Et la petite corde que t'as, que tu peux utiliser maintenant, la petite corde. Ah oui, d'accord, en fait tu peux dropper... alors, les feuilles, qu'est-ce que c'est en fait? Tu les tiens dans la main et ça te donne luck? Ouais, ça donne luck, donc quand tu pêches, tu auras plus de chances d'avoir des objets rares. Donc tu le mets dans ta main gauche, genre, et tu pêches avec la main droite? Oui, c'est ça. Ah, ok, oh putain, ouais. Lac, ok, et donc on peut dropper aussi une corde, d'accord. En fait, c'est via ces barrels que tu peux choper ça. Et là, je clique droit, et je remonte. Oh là là. Ok, mob filter. Du coup, alors t'en as un qui filtre les parents des bébés et l'autre qui fait inverse, qui garde les bébés et qui enlève les parents. C'est juste ça en fait. Alors, attends, je reclique. Ah. Oh. Le fluid tank, je t'invite à prendre le fluid tank. Fluid tank, ok. Ah non, en fait, t'as juste à prendre le fluid tank et à choisir quelle chose, quel liquide tu vas mettre dedans en fait. Un fluid tank est égal à un liquide. D'accord. Donc là, je clique, voilà, avec de la lave. Je mets de la lave. Faut mettre dedans. Hop. D'accord. Et alors, là, si je veux ouvrir l'interface, ça marque 1. D'accord. Donc là, si je reclique avec un bucket vide, il me le remplit. Ah ouais, avec le liquide correspondant. D'accord. Donc là, si je veux, je peux me faire un truc d'eau, un truc de lave et un truc de lait. Ça fonctionne avec les trois liquides vanilla. Alors par contre, ah oui, en bleu, la couleur bleue, c'est pour l'eau, le rouge pour la lave et le blanc pour le lait. Et vu que ça fonctionne que avec le liquide vanilla, j'imagine... Voilà. Alors, redstone transmitter, c'est quoi? C'est un peu comme le wireless Oui, poser l'endroit où il va être alimenté, ici, il faut que tu poses une fois ici. Ah, c'est le mode Wi-Fi, donc ça fonctionne comme le téléporteur. Oui, ici, et il ensuite... faut être alimenté. Récupère-le. Ah merde. Ouais. Ah oui, pardon, là, du coup, je l'ai fait deux fois. Et donc là... Ah ouais, et du coup, ça active une torche de redstone là où tu le fais. Oh, c'est super bien, ça. Elle est pas récupérable d'ailleurs, elle est incassable. Elle est incassable. Tu récupères rien si tu la casses. D'accord, waouh. On aura besoin plus tard, et à venir sur le petit bloc là. Et d'accord. Oh. Le petit bloc là, il se craft, c'est une nouvelle dimension. Ça s'appelle SeaWorld. Oh, c'est trop cool. Oh, il y a de la texture là. Oh putain, hey, c'est c'est Subnautica là. Exactement. On est dans Subnautica, ah trop bien. Un déchet entre guillemets. C'est un déchet, d'accord. Et donc, c'est le jeu comme un déchet. Alors là, je vois qu'il y a des poissons. C'est des nouveaux poissons. Oui, ils sont ajoutés. Ils se pêchent dans cette dimension-là particulièrement. On peut pas trouver ailleurs. Tu les as modélisés aussi ou pas? Non, c'est juste des items malheureusement. C'est des items, d'accord. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait du coup avec ça, avec la canne? Petite canne à mettre dans le petit four qui est là. Hop, ok, une petite canne. Et là, ça, il va se faire fondre. Et là, on pourrait recycler en fer. D'accord. Et les poissons du coup? C'est juste les poissons qu'on peut dropper, quoi. C'est les poissons à effet, ils ont des effets positifs. Ah, sur toi, en fait. C'est à chaque fois que tu manges. Health boost, régénération 4. Ah ouais, putain, c'est cheat.
Ok, et donc chacun a Flying Fish, donc peut-être que tu peux voler, Swordfish, peut-être pour avoir de la puissance, Anvil Fish, alors là, je sais pas. Ensuite, le Magic Mirror. C'est dans les barrels surprise aussi, les Lucky Barrels, ok. Quand on fait clic droit dessus, du coup, il nous téléporte à notre petit lit. Ah, c'est pour revenir de la dimension, d'accord. Ah d'accord, tu l'as en main. Oui. Et boum, tu reviens, d'accord. Et sinon, en fait, tu te remets ici et tu shift. Ok. Dans la dimension qui est ici, c'est donc. Donc ça se droppera sur les barrels, Lucky Barrel. Oh, et là aussi tu peux ? Ah oui, c'est juste que si jamais tu t'es mis loin, t'as quand même un miroir pour dire ok, je reviens de ma dimension parce que je suis parti en exploration. Ça marche n'importe où. Donc ouais, ok. Ok. Et tu poses le bloc par terre et ensuite donc pour s'y téléporter, tu fais juste shift. Comme ça, oui. Ok. Waouh, c'est incroyable. Ah, je t'invite à ouvrir du coup le coffre. Alors attends. Toutes les couleurs que tu veux. Alors submarine, il y a plusieurs submarines d'ailleurs. Pourquoi il y a plusieurs submarines ? Ah, parce que c'est ça sera tant de fois. T'as un composant d'abord, donc on craft le composant qui va être donc la petite hélice comme ça, et ensuite on truc tourne. Voilà, je veux un sous-marin, hop. Ah, yes, et ça le customise en plus. Oh, c'est trop bien. Ok. On va prendre un water bucket pour le nettoyer. Non, t'es 9 water. Ah, il faut le mettre sous l'eau. Bien sous l'eau. Ah oui. À 3 mètres de profondeur, je crois. Oh ! Oh ! La resto, non, c'est pas pour après. Là, t'as besoin de drainer de kelp. Ah oui, c'est le combustible qu'on va utiliser pour le truc. Il faut être dedans et tu le lances quand t'es dedans. C'est bon ? Oh là là ! Ok. Pas besoin d'un 100%. Hein, une fois que t'as le pourcentage, tu peux démarrer. Comment ça se dirige ? Avec la vue. Ah, ça utilise ta vision. Oui. Et regarde, faire clic droit sous toi quand tu t'arrêtes. Oui. Ah, y'a un coffre. Oui. T'es en créatif ou pas ? Oui, je suis en créat. Ah, fais attention parce qu'on peut casser le coffre en créatif alors qu'on n'est pas censé le faire. Ok, donc là je suis pas en créatif. Et quand tu t'arrêtes, tu peux activer le coffre. Quand t'es en route, tu peux pas. Oui. Et alors, je vois qu'il y avait des missiles. Comme ça, la TNT au-dessus, la redstone ici, et là il faut le dropper et le four en bas. Ça en donne 8. Ok. Pour lancer les missiles, faut que tu les prennes les missiles en main et que tu les lances comme un item. Oh! Wow! Essaye de viser un dronehead. Attends, si t'en as pas, je t'en fais spawn. Attends, si, y'a un dronehead, y'a un dronehead là. Oh! Wait, 8 ticks. Ouais, y'a un petit cooldown de, je crois, 10 ticks ou 8 ticks. Juste histoire de pas se famer. Oh, j'ai pris du poison. Ah, c'est parce que je me suis pris un peu perfiche dans la tronche. Oh! C'est énorme! Oh là là! Piou, piou! Par contre, il explose la surface, par contre. Dès qu'il touche l'air, ça explose. Ah ouais! Voilà, c'est incroyable! C'est oui, la vie du sous-marin, ça répare le sous-marin. Si on arrive à zéro, il se passe quoi? Il est détruit intégralement? Non, t'as vu, quand t'es dans le marin, t'es indestructible, tu vois? Oui. Tu peux pas mourir. Et bah, quand t'as plus le bouclier, bah, tu peux mourir. Simplement ça. Ah, c'est que moi, je peux être touché, d'accord. Oui. Ah oui, d'abord, c'est la vie du sous-marin qui est prise en compte. Oh là, c'est trop cool. C'est un genre de bouclier dans le truc du jeu, c'est un genre de oh là là, mais tu t'es gavé de ouf, putain, le datapack quoi. On peut se mettre en F5 pour le voir ? Ah oui, on peut ! Ah, on peut ! Ah, c'est trop bien. Peut-être 15 de sous-marin, ça a rien changé, on bug toujours pas. Ouais, y'a pas de bug, non, c'est cool. Surtout, ouais, tu peux se le faire en multi, enfin, putain, c'est trop bien. En fait, c'est des îles, en fait, c'est un archipel, y'a que des îles. Y'a des archipels, d'accord, vas-y. Alors, t'as modifié un peu la génération pour ça, ou... C'est toi qui... J'ai modifié à ma sauce et j'ai pris aussi du code. Par exemple, la plage, j'ai repris le code de la plage, mais j'ai modifié pour que ça soit plus grosse. Pareil pour les forêts, si je voulais rajouter des choses, j'ai rajouté des choses. Ah, t'as fait des petites îles et tout. Par exemple, il y a des abeilles qui spawnent dans la jungle. Alors de base, il n'y a pas d'abeilles. Mais là, j'ai mis des abeilles de temps en temps, il y aura des truches. Okay. Ah, il y a aussi, du coup, le truc que tu peux voir, c'est que les PNJ maintenant ont des prénoms. Ah oui, ça s'appelle Sky. Enchanté Sky. Alors, Wolf Attack Upgrade. Oh, tu peux upgrade ton loup ? Oui. Ah oui, il y a tout. Wolf Blast Upgrade, Totem of Undying Upgrade. Ah bah il y a tout en fait, oui, tu les as mis ici. D'accord. Bon, vas-y, je prends un Wolf. Allez. Faut le mettre ici, plus simple quand il est assis. Ouais, pour l'upgrade. Et là en fait, t'as tous les trucs. Alors, dans le bouquin, du coup, alors je vais lire un petit peu tous les trucs, comme ça on les a. Donc, Armor Upgrade, voilà. En fait, hein, avec les armures, tout ça, il faut. C'est juste un dropper hein, classique qu'il y a au milieu, hein, on est d'accord. Toujours des droppers. Hein. Ouais, c'est toujours un dropper qui est au centre du truc. L'attaque, c'est avec les épées. La speed upgrade, c'est avec du miel. Le fire resistance avec de la lave. Le blast resistance avec des os. Et l'undying avec deux undying. Il faut le poser comme la Pokéball. Il faut le poser au-dessus. C'est sur le bloc. Sur le bloc.
Ah, c'est bon. Pimp My Wolf. Et alors, on peut l'upgrade qu'une seule fois, on est d'accord? Ah non, Wolf Armor, tu peux le faire jusqu'à 5 fois, c'est ça? L'armure, tu peux le faire 5 fois, ouais. Ah, et voilà, et après, il y a une petite particule pour dire que c'est trop. Parce que là, je suis assez curieux de le voir défoncer tout le monde. Ouf. Putain, il saute et tout, il met des coups critiques. Void Storage, oh. Ok. Allez, prends un papier, s'il te plaît, en même temps avec toi, prends un papier. Ah, d'accord, je vois ce que tu fais, c'est une mini-dimension pour de stockage. Lance le papier, quand t'es dessus. Enfin, dessus, non, faut être dessus. Lance le papier. Passe-moi le papier que t'as reçu. Void Storage Ticket. Moi le, merci. Vas-y, maintenant, fais Shift. Et là, bienvenue dans ta dimension personnelle. Ah ouais. C'est à toi, personne peut rejoindre en fait ici, personne peut t'embêter. Ah ouais. Tu peux faire ce que tu veux. Et ça prend par rapport à ta data, c'est ça? Ton NBT? Oui, pour lui aider, donc personne peut rejoindre. Par contre, moi j'ai pris ton ticket, vu que tu l'as fait, du coup j'ai pu te rejoindre. Oui, c'est pour ça que je t'ai filé un ticket. Oui. Du coup, si tu veux, j'ai un exemple pour moi, si tu veux, j'ai déjà fait une petite décoration vite fait. Vas-y, je te suis. Ah, oh, c'est trop cool. Faut que je prenne un paper aussi, hop, paper. Ah, en fait, c'est le papier, c'est pour le filer à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, en soi, il n'y a pas besoin. Pour nous-mêmes, on n'a pas besoin pour nous. Ouais, voilà. Faut le prendre en main. Ouais. Prends en main et hop, t'es chez moi. Ah, oh, c'est trop cool. Ah ouais, petite dimension de poche, c'est trop cool. J'adore les dimensions de poche, moi, je suis hyper fan. Ah, t'as bien joué avec les fonctionnalités des dimensions, tu t'es gavé. Hein. Tu mets dessus, va sur le bloc. Et fais clic droit sur le bloc. Ah, avec le briquet. D'accord. Pareil pour toutes les dimensions, ça fonctionne toujours pareil. Ah oui, pour les dimensions, c'est toujours pareil, c'est comme ça. Quand j'étais en créat et que j'ai fait ça avec le briquet, ça m'a ouvert un menu. C'était en mode. Pareil, nouvelle dimension. Ah oui, le mining, voilà, le fameux bloc que je me suis où je t'ai dit, oh, mining, c'est quoi? Mining, du coup. Ah bah, du coup, t'as fait une dimension pour le mining et une dimension pour le hunting, du coup, si j'ai bien compris. Ok, donc même principe, tu prends le bloc, tu y vas dessus. Oh! Et voilà. Alors ça, c'est un truc qui génère dans cette dimension uniquement, ça s'appelle l'expérience Butch. Alors, est-ce que tu peux utiliser aussi un miroir pour revenir? Oui. Le miroir va marcher pour toutes les dimensions, en fait. Toujours dans le lit, tout le temps, dans le lit. Allez, ça marche tout dans toutes les dimensions. Oh, et tu peux shift clic droit pour récupérer ça. Et du coup, ça se plante comment? Oui, parce qu'on est d'accord que... Il faut l'expérience Butch, ça se trouve ici, du coup, il faut de l'expérience Butch et tu replantes où tu veux. Pour le casser, il faut casser le bloc d'en dessous, pour le miner. Ah, et ouais. Oh, d'accord, donc et tu peux le récupérer. Ah, ok, my own experience. Et du coup, tu peux farm de l'expérience, trop bien. Et donc là, attends, je suis passé en spectateur. Là, en fait, t'as fait un monde mine, c'est ça, avec des failles, des trucs, voilà. Oui, et comme tu peux voir, t'as pas de. Enfin, t'as pas d'obscurité, tu vois, comme si il faisait jour. Ouais, j'avoue. Et t'as toujours respawn. Ah, t'as fait en sorte qu'en plus, on voit tout. Oh là là, trop bien. Aucune créature spawn à part le buisson, mais c'est pas une créature. Et t'as aussi de l'émeraude qui se génère comme dans les montagnes. Donc, ah ouais, tu peux trouver, ok. Petit monde minage, du coup. Ah, j'en ai trouvé un, ça y est. Ah, ça y est. Ouais. Ouais, oh, ouais, j'en ai un, là, juste ici, ok. Et en fait, tu pètes le bloc, hein, parce qu'on est d'accord. Ouais, c'est... Tu pètes le bloc, et là, tu drops l'expérience bush. Et à chaque fois que tu le balades, que tu le prends, il faut péter le bush. Ok. Donc là, hunting dimension. Donc, elle, hop, elle est faite comme ceci. Donc là, il fait tout le temps nuit. Ok, on est plutôt dans un désert... Ah oui, il y a du monde. La night vision est faite exprès ou... Oui. T'arrives et t'as... Il n'y a pas de grotte ici. Hein ? Il n'y a pas de grotte. Il n'y a pas de grotte ici par contre. Ouais, c'est bon. C'est vraiment pour se battre quoi. Donc là, t'as tout pour se battre. Est-ce qu'il y a autre chose de particulier ou si c'était vraiment juste pour se fighter quoi ? Temple normal. Donc t'as mis un peu des structures un peu à droite à gauche, c'est ça, dans cette dimension ? Le temple et des villages... Tu connais les villages abandonnés ? Oui, les villages abandonnés, ouais, tout à fait. Oui, déjà j'ai abandonné tout le temps qui spawn abandonné du coup. Quand t'as 15 niveaux d'expérience minimum. Ouais. T'enchantes un livre, t'as 14% de chance d'avoir un nouveau livre en plus. Les livres sont ici. Oh, t'as Veining, genre excavator quoi. Oui, j'ai mis j'ai mis les outils qui vont avec en dessous. Ah. Je sais pas si j'ai mis ta côté, normalement j'en ai mis une. Non, j'en ai pas mis une. Moi je vais en mettre une. Ah oui, d'accord, donc ça se met dans la crafting table d'ailleurs, ça se met pas dans... Ok, c'est des enchantes qui se récupèrent comme ça. Yes. Première fois que je vois les minerais de la 1.17, hein. Attends, tu m'as pas donné le vining? Ah si, je l'avais pas vu. Donc là, hop, je mets ça donc avec une Effi 3. Et effectivement, ça fait Effi 3
Yes. Ah ouais, du coup, c'est hyper adaptable. Ah, ça, c'est cool. Très, très cool. Grosse feature. Tu peux parler avec la hache maintenant ? Grosse feature, ça. Ah, il s'adapte en fonction du... Non, t'as manifatique, donc t'as la hache en main. Ah, d'accord. Obligé pour les enchantes de passer par le premier. Alors, ça fait quoi ? Ah, j'ai des cœurs. Oui. Et plus l'enchantement est haut, plus t'as de cœurs, tu vois. Là, j'ai un cœur. Ok. Et du coup, ça donne 3 cœurs. Ok. Donc là, c'est... j'imagine tu résistes au poison ? Ah ouais. Oui, effectivement, je résiste bien au poison. Par contre, si je te mets un poison 2... Ça marche pas avec le poison 2. C'est quoi, ça fait un zoom ? Non, ça donne juste... c'est, night vision. Ah oui, c'est juste night vision. Damage du viewer. Oh, tu peux voir les dégâts que tu fais ? Un peu à la damage indicator ? Oui, ah mince, j'avais mis un mob spray, il est... je crois qu'il a disparu. Oh, il a disparu mon monstre. Mince, bah je le vois là, je le vois. Ah ouais. Ah oui, putain, il en a combien des totems ? Oh oui, il en a deux, oh là. Et là, il faut rejeter l'amélioration sur le remède du coup. Ah, il faut lui rejeter dessus. Ouais, non, mais c'est trop cool. Oh, ok, et on voit les damages. Let's go. Alors, ça, c'est une nouvelle génération qui se génère dans le monde. C'est des îles flottantes. Donc, tu vois, là, c'est une île flottante. Ah ouais. T'as mis des petites îles à droite à gauche. Ok. Trop cool. Oh, pourquoi il est là ? Un spawner. Et notamment là, c'est un spawner de fantôme. Il est où le spawner ? C'était dans ça ? La maison ? Dans la maison, faut miner. Où ça ? Il doit te cacher quelque part. Là. Ah vois, ouais, d'accord. Oh, Celestial Discovery. Ah putain, il t'a mis des petits coffres et tout avec des petites ruines. Ok, il y en a plusieurs types, des comme ça ? Des nouvelles armures que tu peux voir ici. Oh, c'est l'armure complète avec le bouclier. Hank Shield. Hein ? Tu meurs. Alors, je me manque que se faire vanishing. Du coup, quand tu meurs, tu. Knockback résistance plus 1 armor. Oh, d'accord. Du coup, je t'invite à détruire le spawner en survie avec Seal Touch. Yep, et voilà. Ah, tu peux dropper les spawners avec le Seal Touch. Ouais. Ah, c'est cool. Ok. Ah ouais, alors ça, c'est les petits quality of life un petit peu. Colorant plus outil. Alors, colorant plus outil. Tu prends un outil, tu mets un colorant dedans et ça fera... Prends un outil n'importe lequel. Les deux. Non voilà. Oh, c'est cool. En vrai, trop bien. Ok. Ça fonctionne aussi avec la nésorite ça gardera son petit bout de nésorite, parce que la nésorite a un petit bout de nésorite. Donc on peut faire différence avec les nésorites et les autres outils. Putain. Moi je fais une nésorite en rouge. Tu peux voir, il y a le petit manche qui est en nésorite. Ah ouais. Ah oui, d'accord, je vois, c'est pour faire des trucs transparents. Vas-y. Ouais. What ? Prends les 10 frames maintenant, T'as pas consommé les... Ça a pas consommé les... Ouais. Pose par terre, on fait grave, du coup il est invisible. Et hop. Ouais voilà, c'est le mode invisible. Dans Quark ils ont ça. Encore des crafts. Alors c'est des crafts vanilla là, c'est tout ça, c'est des choses. D'accord, ouais bon, ok super. Donc effectivement on rajoute la selle, l'armure de fer, le truc, ok. C'était avec toutes les armures de cheval, avec toutes les qu'on s'appelle en diamant, en or, ouais, changer. Tu peux faire toutes les déclinaisons. Pour la chaîne mail, faut juste mettre la forme du casque, on a les casques en chaîne mail, on a Ah ouais, tu peux tout faire avec les Iron Nuggets, ok super. Voilà. Et là, ouais, on a des petites déclinaisons, ouais. L'armure de la White Fool qui vient de la ficelle. Avec deux ficelles papier, tu peux faire un name tag. La cloche qu'on peut crafter. Ah, ça c'est différent, on regardera après. Ça, c'est quoi, block of cool? Oui, il faut mettre dedans pour faire cuire. Comme tu peux voir, un block of raw machin, tu peux le faire cuire directement en bloc. Minecraft, tu peux pas faire ça de Minecraft. D'accord, oui, donc t'es obligé normalement de les séparer. Vu que c'est l'équivalent, du coup, c'est pas cheaté, du coup, vu que c'est l'équivalent. Ouais, ça reste la même chose, c'est juste pour gagner du temps. Oui. Ok. Donc ici, c'est juste que quand tu casses des beehives, t'as le nombre de billes et le nombre de honnêtes qui est marqué. Ça change rien de l'autre. Ah, d'accord. Là... Le villageois au prénom, ça, on l'a déjà vu. Je t'invite à prendre un cheval et à l'apprivoiser. Ouais. Et c'est droit avec la carotte fantastique. Speed 84%, horse jump strength 0%. Ça monte la qualité du cheval, 100% c'est le meilleur cheval qu'on peut avoir et le pourcentage, bah plus c'est bas, plus c'est nul. Ah, tu peux savoir le... Ah, c'est trop pratique ça. Ah, du coup les chauves-souris drop du cuir et on peut le transformer en cuir normal. Avec 4 cuirs de chauves-souris, tu as du leather, ok. Alors c'est là, c'est des modifications de loot. Alors le chauve-cuir donne tout le Il temps... Il en donne 2, ok. Et les silverfish donnent 3, par maximum 3 iron nuggets maximum, c'est entre 1, enfin 0 et 3. Et avec looting, pourquoi 2 ? Looting ça en rajoute 2 à chaque fois. Ça en rajoute 2 en plus. Ok. Looting.
D'accord. Et là... Alors, voilà. Je t'invite à prendre d'abord la Redstone Dust et à lancer sur le... Maman Stand. Sur mets-toi ça dedans. Mets-toi dedans, faut être dedans. Voilà. Retire-toi. Bon, ça va pas changer grand-chose que c'est une position et là, il est tout machiné, il réessaye. Voilà, t'as vu, là, il a les mains. Là, on voit mieux qu'il bouge, là. Oh, tu peux mettre des mains et tout. Oh là. Cisaille, ça coupe ses mains. Cisaille, ça coupe les mains, d'accord. Le bol, ça fait quoi? Ça le rate ici. Et là, ça fait l'inverse, ça le grandit. Oh. Oh, tu t'es amusé. Oh là. Mais c'est ouf. La pioche enlève le socle, là, tout moche, là, tu peux enlever la pioche. Voilà, je crois qu'on a tout fait, on peut aller directement à S6, c'est vrai que c'est plus compliqué, enfin plus compliqué, non, le plus complet. Donc là, c'est l'Endless Dungeon, tu peux regarder comment ça se craft. J'ai vu le Endless Dungeon, du coup, j'étais en mode... Oh. Du coup, ça, c'est utile dans la dimension, les clés sont utiles, et le Ruby, c'est la monnaie d'échange. Ah d'accord, oui, donc y a rien de... Ok. T'es vide sur toi? T'es vide? Je te clear. Ouais, je suis clear, ok. Vas-y, vas-y, va dedans. Et hop, t'as vu, t'as un kit de base, t'as un petit kit de base qui est apparu. Oh, ok. Oh. Glowstone. La Glowstone pour, tu sais, les respawn ici, là. Oh là là, mais... Waouh. La ouais. Glowstone. Ah, tu peux même faire ça. Oh. Et du coup, le compas, il pointe toujours le milieu de la map. Ah oui, t'es fait spoil, la map montre les salles. Ah oh, putain, c'est trop cool. Ouvre une salle, du coup. Ouvre une salle, du coup, tu verras que la map, c'est stylé que la map. Donc là, il faut une clé. Oui, une clé. T'en as normalement de base fournie. Ah bah, pas de chance. Cul-de-sac. Ah, c'est un cul-de-sac. Oh putain, oh mec, c'est trop cool. Oh, mais tout ce que t'as fait. Ah oui, et en plus t'as l'ombre, là c'est marqué armure, donc là c'est plutôt du stuff. Ah, c'est une petite zone safe ici, plutôt. Ouais, bon, ça va, j'ai de la chance. Ah oui, il y a du rubis et tout. Tu t'es créé un mini-jeu dans le truc, quoi. Oh là là. Mais c'est trop trop bien. C'est... Oh là là. Non mais la vache, mais la quantité de travail que t'as abattu sur ça... C'est incroyable. Non, parce que c'est quand même énorme là. Hein. Enfin là, j'ai l'impression plus de faire un modpack que de faire. C'était le but. Hein? C'était le but. Ah ouais, bah. Ouais. Alors là, on est. Vas-y, mini piège. Oh. Non, c'est mon truc d'or, moi du coup. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Un petit labyrinthe. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, j'y vais. On va voir. Je vois la plaque de pression, ok. Ça pue un peu, mais... Ok, c'est tout. Il a fallu courir, dépêcher pour pas que ça se referme derrière toi, en fait. Bon, ça a pris trop de temps, ça va refermer si tu prends trop de temps. Ça va se refermer quand tu vas encore retroucher les barrières. Ah non, c'est bon, vas-y, dépêche-toi. Ah, c'est bon. Oh, j'ai pas eu le temps. Ah, et la carte, c'est trop cool, parce que t'as vraiment... Par contre, j'ai pas d'armes, hein. Ouais, on est censé finir avec des armes de base. Ouais, d'accord, tu viens avec des armes. Oh, y'a un spawner. Oh, tu peux esquiver. Oh, j'ai un double étage là. Double salle. De parcours. Waouh, mais c'est trop insane. Oh, il y a des mecs en prison. Ah, je sais plus. Hein? Résistance avant que tu meurs. Hop. Je sais plus si tu l'as la résistance. Oh, j'ai esquivé tout le monde. Une résistance au cas où. Ah bah heureusement. Là tu trouves une autre map aussi, enfin une autre salle aussi. Là t'as trouvé la salle normale, les salles comment ça s'appelle de sécurité avec les golems, il manque encore quelques salles à trouver. Oh, c'est pas grave, de toute façon là c'est un nouveau type de map, tu peux voir la salle beacon avec une map. Je te passe une map si tu veux. Map. J'en passe plein, comme ça quand t'auras besoin tu pourras regarder. Et tu peux voir c'est un petit beacon du coup vu que c'est une type beacon. Ah oui, du coup, putain. Utilisable, tu peux mettre des bonus dessus du coup pour être bonus. Tu peux mettre des bonus comme dans un beacon normal. Ouf, tout ce que t'as fait. Voilà. J'en reviens pas. Ah, c'est vraiment. Tu m'étonnes qu'il fallait prendre du temps. Alors, je vois, il y a des trucs bleus, il y a des trucs rouges, une sorte de mécanisme. Alors, je sais pas ce qui les gère. Est-ce que. Ah, attends. Je t'expliquerai après les trucs rouges et bleus et les couleurs. Parce que je vois les leviers. Ça sert à rien, ça c'est juste des décorations. D'accord. Ah, j'ai trouvé un truc. Ah, j'ai des trucs avec PNJ. Ah, t'as trouvé les trades. Ah oui, les fameux trucs avec... des rubis. Donc t'as des pauses et tu peux acheter des rubis. Enfin, tu peux échanger... Et quand tu peux voir sur la carte, ça dit que c'est un trade. Ah, et toi, t'as trouvé un autre truc parce que je vois que ça indique la carte que t'as ouvert là, c'est différent encore.
Tiens, tu me vois du coup, attends, je t'ai TP si tu veux. Bah ça génère la carte, donc ouais, toi t'as un truc différent. Oh, c'est trop cool. C'est ça. Ça s'appelle un téléporteur. Tu téléportes dedans, ça va t'amener à une autre salle plus loin. T'as vu? Hop. Il y a des Endermites. Oh. On est ailleurs ici. Normalement, c'est censé faire des salles de boss partout là, donc attention, quand t'ouvres les salles, ça sera forcément une salle de boss. C'est pour te montrer les boss qui sont assez rares. Vas-y, ouvre une salle. Premier boss. Oh. Trop. Trop cool. Oh, je ne lui fais aucun dégât. Ah si. Ça descend par un petit créneau. Faut être très patient, hein. J'espère que la récompense vaut le coup. Ouh, l'XP! D'accord, ok, ça vaut le coup. Oui, t'as l'XP beaucoup. Bon, ah, il y a un coffre au milieu. Oh, box key. Mob alors, finder. Ça, tu vois les trucs que tu disais que c'était bizarre. Oui. Les petits coffres de toutes les couleurs. Et ben en fait, ça, c'est des coffres qui s'ouvrent à des clés correspondantes. Par exemple, si c'est blanc, c'est clé commun, donc clé blanche. Là, c'est pour trouver du coup un bloc rouge et tu prends l'ouvrir. Oh, j'en avais eu un tout à l'heure. Oh merde, d'accord. Attends, je vais donner une épée peut-être aussi. Tiens, hop. Je vais te passer une épée. Mais l'autre, lui, c'est la clé rouge et la clé de boss. Et la clé de boss se trouve uniquement auprès des boss. Et c'est la clé la plus puissante qui donne les objets les plus puissants de cette dimension. D'accord, donc il y a des mobs que tu tues en fait. Les mobs vanilla, on va dire, peuvent te dropper des clés aussi. Non, ça se trouve que dans les coffres, je t'expliquerai. Ah, c'est qu'il y en a dans les coffres, ok. Attends, du coup, qu'est-ce que je voulais te montrer? Ah oui, le... Du coup, celui-là, il donne le Treasure Founder, si je me trompe pas. Pareil, du coup, il faudra le vaincre pour avoir les objets. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, cette épée? Ah, attends, je suis en train de le tuer vite. Est-ce que t'as l'épée, du coup? C'est pas grave, de toute façon, c'est toujours la même chose, mais il est de plus en plus puissant en fait quand tu le frappes. Mur, et hop, il meurt. Il donne aussi l'objet tant convoité. L'amulette de Hast. Donc, ouais, on est d'accord, ça se met juste dans ton truc et tu as. Clic droit. En clic droit Mais ça, t'as déjà Hast, non pas Vous Hast, avez mis. Ah, ouais, ouais. Vous avez 1500, je sais pas combien de secondes. Et tu as déjà utilisé, t'as l'effet particule de Hast. Ouais, ouais, ton... ouais, c'est bon, j'ai récupéré. Ok. Oh! Hop! Je vais t'expliquer le système avec les clés du coup, hop! Tous les objets qui sont concernés de la dimension là par exemple, là c'est les clés. La clé blanc ouvre les blocs blancs qu'on trouve par terre. La verte, les blocs verts. Les blocs bleus, violet, violet. Orange, orange. Les rouges et rouges. La pioche permet de casser les blocs. Tu sais, des fois tu vois de la stone brick cassée là, un peu cassée. Ouais. Aléatoirement dans les salles, tu peux casser avec ça. Ah donc là, j'utilise la fameuse pioche. Oh. Toi, t'as les clés, t'as aussi la clé comme je t'ai parlé là. Ah, ce zombie il est chiant. C'est la clé que je t'ai parlé là qui se trouve pour ouvrir le coffre, elle se trouve là-dedans, tu vois. Il y a encore un bloc ici, donc là, je pète ça. Culminé, oui. Ah ouais, et hop, c'était des bons loot en plus. Ah ouais, ok. Tombé. Ah, j'ai trouvé un bloc rouge. Voilà, et du coup, tu utilises le bloc rouge. Et tu vois, t'as un coffre qui s'est généré. Oh, Dave. Ah oui, de la netherite et tout, la pioche spéciale. C'est le boss, donc oui, c'est le boss, donc le boss il est vraiment cheaté le boss. Ah ouais, donc, c'est trop bien. Avoir. Vas-y, fais clic droit. Regarde en dessous de toi. Oh. Ouais, ouais. Ah, mais tu vois les minerais? Oui, ça m'extrait, tu vois les minerais. Oh putain. What the fuck? Et à chaque fois que t'en utilises un, il disparaît ou? Ouais, il disparaît pas, c'est juste que t'as un petit rechargement. Bah, c'est système de boss, donc c'est hyper dur à voir, mais c'est cheaté. Et encore, hein, là où on commence à passer, j'ai passé quelques trucs, mais il y a tellement de choses aussi. Heureusement que tu m'as fait un guide. Merci pour cet énorme guide. Parce que c'est vrai que... Ça a pris du temps, parce que là, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Hein. Eh bien, merci, Monsieur Birdie. Vous pourrez retrouver, évidemment, du coup, tout ce data pack hein, disponible sur Curse, avec le ressource pack qui va avec, évidemment, avec des versions. Il y a eu des petits trucs, mais il sera patché aussi. Merci beaucoup de m'avoir fait visiter tout ça. C'est quand même une map insane aussi, hein, donc merci beaucoup. C'était... Ouais, on a pris 2 heures. Vous l'aurez pas forcément vu en vidéo, mais 2 heures pour voir tout ce qu'il y avait. Et encore, comme je disais, on aurait pu passer plus de temps. En termes d'expérience Vanilla, je suis ultra impressionné, encore une fois, parce que du coup, il y a de l'amélioration pour le farming, il y a le côté exploration-aventure, des structures, des outils, des armes, des enchantres ajoutés.
tellement d'outils très pratiques, inspirés de plein de petits modes qui existent. Donc franchement, je le dis, hein, c'est un data pack qui fait limite un mode pack. On peut faire une aventure complète juste avec ça. Et clairement, ça augmente vachement la qualité de Minecraft. Donc c'est hyper propre. Donc vous avez tout dans la description. N'hésitez pas à regarder, à partager, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à le tester. Voilà, hein, et à regarder un petit peu les avancées. Tu prévois de rajouter encore d'autres choses dessus ou pas? Oh bah, j'ai une liste d'ajouts colossale, avec notamment des trucs pour réparer les items, du genre. J'ai plein d'ajouts que... Donc Minecraft 2.0, évidemment, ça se passera hein, directement chez lui. Hein, c'est clairement... Le mode pack sera tellement, enfin le data pack sera tellement insane que à un moment on sera en mode bon bah voilà quoi, hein, vous avez une aventure entière à vous faire dessus. Trois boss, des mobs qui ont été rajoutés, des dimensions, même si elles sont un peu voilà, c'est des petites dimensions pratiques avec le truc, le sous-marin, tout ça. Enfin bref, tellement de choses. Hâte de voir encore hein, cette avancée, mais en tout cas déjà vous avez tellement de contenu. Enfin n'hésitez pas à vous faire plaisir avec. Des bisous, ciao à tous et à la prochaine les amis.